Mesdames, messieurs, bonsoir. Je dis bonsoir au réalisateur aussi, là, qui était... Hein, bonjour, bonjour. Et ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installé à la maison. Nous allons passer une petite heure ensemble, mesdames, messieurs. Je vais vous donner la devinette d'ici quelques instants, parce qu'elle est un peu longue pour l'instant. Nous allons accueillir celle qui va passer une petite heure donc avec nous, qui est une jeune chanteuse absolument charmante française, mesdames, messieurs. Voici Sarah Mandiano. Accueil, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, Sarah Mandiano, un accueil extrêmement chaleureux, s'il vous plaît. Comment vous faites ça? C'est ça. Comment vous faites ça? Ah, ravi de vous recevoir, Sarah. Ravi d'être avec vous. On va aller s'installer immédiatement à table avec nos deux camarades qui nous attendent là-bas, parce que j'ai besoin d'un petit peu d'aide pour la devinette qui arrive. D'accord. Qui est un truc extrêmement compliqué, qui est une réponse en chanson aujourd'hui, et au bout de laquelle, évidemment, si on a la réponse, on a un filet garni, bien sûr. Donc vous faites d'ores et déjà, je peux vous le dire, le 42 48 16 16, le 36 65 50 50 et le 36 15 code TF1, rubrique coucou. Mesdames, messieurs, Franck Schlesinger, Sarah, on va les rejoindre, et Patrice Carmouille, c'est parti. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Bonne forme? Oui, ça va. Ça va bien sauf que quoi? Non, ça, tout va bien. Tout va bien. Franck, parfait. Très bien, très bien. Pourquoi il est là, Franck? Il était pas là. Il était pas là. Oh, je crois, il a préféré. Mettez-vous là, non? Oui, je me mets là. Oui, mettez-vous là, vous serez mieux. Bougez pas, Sarah, bougez pas. Vous avez l'énigme? Allez-y. Non, je ne l'ai pas. Ah, bah tiens, pendant qu'on s'installe. Voilà, excusez, sauf que. Ouais. Sauf que avez-vous. Excusez-nous. C'est une charade, comme on dit. Et c'est une charade, comme ça? C'est du charade, allez. C'est du charade. Allez, on y va. Non seulement ma première est une petite cochonne, mais elle est sauvage. Non seulement, mesdames, messieurs, ma première est une petite cochonne, mais elle est sauvage. Ma deuxième est toujours une belle fille. Ma deuxième est toujours une belle fille. Quand il est doublé, mon troisième fait la fête. Quand il est doublé, mon troisième fait la fête. À moi, mon quatrième de mots. Oh là là. Eh oui, c'est long. Il faut bien noter, hein. La traduction de Jean-Paul II vous donne mon cinquième. De Jean-Paul II où? Vous donne mon cinquième. Ah ouais, d'accord. D'accord. C'est-à-dire que là, si quelqu'un trouve ce soir, c'est une espèce de miracle. Hein, bon, mon sixième est souvent jeté. Et mon septième ou plonde? Pardon? C'est-à-dire que je me demande si Patrice n'a pas décidé ce soir de se garder le filet garni. Parce que... Mon septième ou plonde? Ok, non seulement ma première est une petite cochonne, mais elle est sauvage. Ma deuxième est toujours une belle fille. Quand il est doublé, mon troisième fait la fête. À moi, mon quatrième, deux mots. La traduction de Jean-Paul II, ou... C'est complètement. C'est concernant. La traduction de Jean-Paul II, où vous donne mon cinquième. C'est pas la traduction d'ailleurs, c'est la translation. C'est voilà, translation de Jean-Paul II, où vous donne mon cinquième. Mon sixième est souvent jeté. Mon septième est ou plonte. Mon tout est une réponse en chanson, évidemment. Si vous avez trouvé, vous avez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, y compris le 42-48-16 pour nous répondre. Franck Schlesinger vient, Sarah, régulièrement, chaque Bonjour. Semaine, faire une revue de presse. De quoi s'agit-il, Franck? Pour commencer, s'il y a... Bon, les Jeux Olympiques de Lillehammer viennent de se terminer. S'il y a une photo qu'on doit retenir des Jeux Olympiques, c'est celle d'un couple russe de patinage artistique. Médaille d'or. Médaille d'or. C'est Info Matin qui l'a publié. Médaille en or. Ouais, bon. Bien. C'est Info Matin qui l'a publié. Et bon, vous savez que dans le patinage, il y a ce qu'on appelle les figures imposées et les figures libres. Ben là, pour le coup, c'est une figure que je ne connais pas. Regardez la photo. Et donc, c'est, voilà. D'accord. C'est la figure. En tout cas, c'est un truc c'est éventuellement... Figure. Oh non, on va la regarder encore 2 minutes. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est du sport, d'abord. Et ça peut être éventuellement à conserver. Il enfin, faut bien se connaître, quoi. Et ça marche... Avec patin seulement ou sans patin, c'est possible? Avec patin, a priori, mais bon. Ouais. Ça leur a valu la première place, en tout cas. Oui, comme quoi, hein, être un peu cochon, ça n'a jamais fait de mal à personne. Alors sinon, bon, y a une autre histoire qui est étonnante. En Allemagne, on a évité le pire. Pourquoi? Parce qu'il y a une grand-mère allemande, on est en Allemagne, donc les grand-mères sont allemandes, qui a mis en route son sèche-linge. Qui a mis en route son sèche-linge. Bon. Le problème, c'est que dans le sèche-linge, il y avait quoi? Il y avait sa petite fille. Oui. La petite fille, elle s'est cachée dans le sèche-linge. Elle a voulu... Quel âge elle a? 29 ans, c'est normal. Non, 6 ans, je crois. Elle a voulu la libérer. La grand-mère, sans faire exprès, elle a mis la machine en route. Et la petite fille, elle était séchée. Voilà. Balai, oui. Alors, elle a appelé la police. Non, c'est pour rassurer, parce que ça se termine bien. Elle est sortie écarlate, mais indemne. Et maintenant, elle est pondue à un fil avec deux petites passes. Et tout va beaucoup mieux. Tout va beaucoup mieux. Bon, sinon, quand on lit la presse, c'est vrai que parfois, on se rend compte qu'il y a des sondages un peu bizarres. Il y a des journaux qui font des enquêtes. On se demande même où est-ce que les gens qui font ces enquêtes-là vont chercher les thèmes
de leur sondage. Hein. Ça, c'est vrai. Alors, je vous donne trois exemples. Premier exemple, c'est dans People. On apprend quoi ? On apprend qu'un sondage nous montre qu'en Californie, une grande majorité des femmes préfèrent être riches plutôt que d'avoir une grosse poitrine. Intéressant. Elles préfèrent être riches plutôt qu'avoir une grosse poitrine. Ouais. Ça, c'est dans People. Dans le Sun, on apprend qu'en Angleterre, il y a une personne sur 10 qui préfère manger des chips plutôt que d'avoir des relations sexuelles. Répétez-moi ça. Une personne sur 10. 10%. Voilà. Préfère manger des chips plutôt que d'avoir des relations sexuelles. C'est pas avec ou en même temps. Non, il y a un choix à faire. C'est où tu manges des chips, voilà, ou tu crac-crac. Et alors, si on pose la question en se référant. Il n'y a rien de pire que de manger des chips au lit. Parce oui, c'est pas pratique. Il y a du monde partout. Et alors, si on se réfère au chocolat, ça c'est dans Today, on se rend compte qu'il y a 34% des Anglaises qui préfèrent renoncer au sexe définitivement plutôt que de renoncer au sexe. Au chocolat. Oui, elles préfèrent renoncer. Il y a 34% des Anglaises qui préfèrent renoncer au sexe plutôt qu'à leur chocolat favori. Est-ce qu'il y a un âge dans le sondage ou Non, c'est des chiffres qui sont donnés comme ça. Donc il y a même des jeunes filles anglaises qui préfèrent renoncer définitivement au sexe plutôt qu'au chocolat. Tout à fait. C'est triste. Ah. C'est triste, c'est spécial en tout cas. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas forcément le choix l'un ou l'autre, quoi. Si, on peut manger. Maintenant que ça existe, on peut dire, dis donc, c'est ou moi ou le chocolat. Le chocolat, ouais. Sinon, bon, vous savez que régulièrement, on se tient au courant des courriers des lecteurs. On lit quelques lettres, on aime bien. Bah oui. Et il y a un journal qui s'appelle Sky, où il y a vraiment qui une bible, Sky. Sky. C'est beaucoup anglais quand même. Hein. Oui, c'est pas mal anglais. Il y a une jeune fille qui écrit à la sexo du journal, qui s'appelle Karen. Alors, elle dit, cher Karen, donc je vous lis la lettre. J'ai un petit ami. I have a little friend. Hein, j'ai un petit ami, et il adore que je lui fasse des petites gâteries. Des chocolats, des cakes, voilà. des chips, des brownies, des cookies. Seulement, voilà le problème. Non, sérieusement, les gâteries, c'est de la pâtisserie ? C'est des gentillesses poussées. Quoi. Affectives. Moi, pas bon. Donc, il adore que je lui fasse des petites gâteries. Seulement, voilà, il y a un gros problème. Parce que c'est le lendemain, ça me fatigue tellement la mâchoire que le lendemain, je ne peux plus parler. Donc, problème. Réponse de la... Je vois toujours pas, mais... Réponse de la sexologue. Effectivement, c'est un problème. Mais sache que les gens qui jouent de la clarinette dans les fanfares ont le même souci. Ils se fatiguent les mêmes muscles. Seulement, eux, ils ont de l'entraînement. Et ils ont tellement d'entraînement que c'est peut-être pour ça que dans les écoles de fanfares, ce sont toujours les joueuses de clarinette qui sortent avec les plus beaux garçons. Ça, c'est une réponse officielle, courrier des lecteurs. Vous n'avez jamais joué dans une fanfare. Donc, les garçons, méfions-nous des joueurs de clarinette dans les fanfares. Hein. Les filles aussi. Vous avez joué dans une fanfare ? Qui ça ? Jouer dans une fanfare ? Quelqu'un, hein ? Non. Vous ? Non. Non, moi, non. Deux dépêches AFP. À Dubaï, bon, c'est dans les Émirats, il y a un chauffeur de taxi qui a été condamné à un mois de prison ferme pour simplement avoir envoyé un baiser dans le rétroviseur à sa cliente. Il avait une jolie fille, il conduisait, il a fait un mois de prison. Oui, voyez, peut-être qu'il était en train de se... Peut-être, on ne sait pas. Ouais, et au Maroc... Il a fait un truc un peu plus genre... Alors, bon... Là, c'est... Ouais, oui. Non, mais un mois de prison, même s'il fait un mois de prison, c'est... C'est les Émirats. Oui. Alors, et au Maroc, bon, là, c'est pas drôle, il y a une institutrice qui n'a rien trouvé de mieux pour sanctionner un enfant de 9 ans qui n'avait pas fait ses devoirs que de consulter tous les petits garçons de sa classe et de leur demander de faire pipi sur lui. Non. Oui, AFP. Salope. Maroc. Ah ouais. Non, dégueulasse. Sinon, alors dans ça m'intéresse, il y a tout un dossier sur la queue. Il y a tout un dossier sur la queue des animaux. Ah bon. Bon. Et alors, on se pose la question, le journal se pose la question, qu'est-ce que la queue ? Alors la queue, il faut le savoir. C'est un prolongement de la colonne. C'est le prolongement osseux de la colonne vertébrale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les animaux ont une queue, même les hommes. Et quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes. Et la queue de l'homme, en fait, ça s'appelle le coccyx. Ah, c'est une espèce de petite queue atrophiée. 2 cm. Elle n'existe plus. Si. Bah, deux centimètres. Certains existent. Ouais. En pleine action. La queue de l'homme, c'est le coccyx, et ça fait 2 cm. Alors moi, j'ai voulu savoir si les gens dans la rue... C'est-à-dire qu'on a du mal, nous, à battre les mouches et tout ça avec. Oui, oui. Voulu savoir si les gens dans la rue savaient qu'ils avaient tous, en fait, une queue de 2 cm. Sarah, saviez-vous que vous aviez une queue de 2 cm ? Non, mais j'ai un ami qui s'est fait opérer à cause de ça. Est-ce qu'il en avait une grande ? Non, pas très grande, mais une petite, oui. C'est très gênant, en fait. Hein. C'est vrai ? Ah oui, c'est très gênant. Oui. Non, c'est qu'elle était trop grande, j'imagine. Elle devait avoir un centimètre supplémentaire par rapport à nous, quoi, en fait. Nous qui sommes des gens à peu près, entre guillemets, normaux. Ah, c'est un petit peu au-dessus, quoi. Ah, oui, y a des gens, c'est vrai que c'est gênant parce que ça s'infecte, etc., donc il faut opérer. Sympa. Bon, c'est pas très grave, hein, mais... Bon appétit, messieurs. On va regarder donc un petit micro-trottoir, c'est ça ? Oui, oui. Est-ce que les gens savent qu'ils ont une queue de 2 cm ? Voilà.
Est-ce que vous savez, monsieur, que la queue de l'homme mesure 2 cm ? Non, monsieur, 15 cm. Non, 2 cm. 15 cm. La queue de l'homme mesure 2 cm. 15 cm. Bon, vous avez une femme ? Oui. Bah, votre femme a, elle aussi, une queue qui mesure 2 cm. Non, ma femme n'a pas de queue. Est-ce que vous savez, madame, que les femmes ont une queue ? Éventuellement une queue de cheval. Si je vous dis que votre queue mesure 2 cm, vous me répondez quoi ? Je vous réponds que vous ne l'avez pas vue. Est-ce que vous savez que votre queue ne mesure que 2 cm ? Pas la mienne, non. Bah, moi, je vous dis que j'ai pas une queue. Vous n'avez pas de queue ? Non. Désolé. Est-ce que vous saviez que l'homme a une queue qui mesure 2 cm ? Non. Je n'ai jamais mesuré. Est-ce que vous saviez que vous avez, vous et votre mari, du reste, une queue qui mesure 2 cm ? Non. Vous, peut-être, mon mari, non. 2 cm ? De large ou de... De largeur ou de longueur ? Bah, c'est pas hein, ça. Je peux pas vous dire. Hein, je connais rien du tout. Est-ce que vous saviez que vous avez une queue qui mesure 2 cm ? Vous plaisantez. Non, non, je plaisante pas. Bon, monsieur, vous circulez, d'accord ? D'accord ? Encore une petite ? Vas-y. Une petite, c'est dans People. On apprend qu'en Pologne, il y a une ville qui s'appelle Kranisto. Et cette ville de Kranisto offre un service un peu particulier à ses habitants. S'ils veulent utiliser les toilettes publiques, ils sont obligés d'acheter un abonnement à l'année. Excusez-moi. Bonjour. À Paris, il y a des toilettes publiques. Des fois, on a envie de faire pipi, on met un franc et on va faire pipi. Quelquefois. Bon, quelquefois. Ouais. Et ben, en Pologne, dans une ville qui s'appelle Kranisto, on est obligé de prendre un abonnement à l'année. Alors vous payez pour l'année, vous avez une carte et vous rentrez. Ah, c'est bien. Ouais. Bah, c'est, comme ça, ça évite le jour où on n'a pas de monnaie de pouvoir quand même aller... Voilà. Non, mais je tenais à le souligner. Ah, vous allez souvent dans les pipis publics ? En Pologne, jamais, non. Non. Merci, Franck. J'en prie. Merci beaucoup. Patrice. Bon, ah non, bah, Patrice, on va envoyer la pub. La publicité, mesdames, messieurs. Sarah, peut-être une petite conclusion à faire pour tout ce que vous venez d'entendre, je sais pas. Non, mais je trouve ça très intéressant, surtout pour les toilettes, parce que ça, c'est un truc... Moi, j'habite pas à Paris, donc je vais souvent à Paris. Où est-ce que vous habitez ? En Normandie. Mm-hmm. Et quand je suis à Paris dans ma voiture, j'ai souvent envie d'aller aux toilettes, parce que je bois un litre de thé le matin. Donc évidemment, j'aimerais bien avoir une petite carte, c'est pratique. On va vous organiser ça, on vous dira l'arrondissement, tout ça, on va s'arranger. On va se retrouver, mesdames, messieurs, après la publicité avec Patrice, Sarah et tout le team. À tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio pour cette deuxième partie de Coucou, c'est nous avec Sarah Mandiano qui est avec nous et Patrice, nous allons parler maintenant d'animaux. D'herpétologie, comme on dit. Herpétologie, monsieur était herpétologue. Daniel Leclin. Et photographe. On est parti d'un magnifique super bouquin voilà, qui est chez Bordas, qui est l'encyclopédie des serpents, les serpents, et auquel Daniel Leclin a participé comme photographe. Hein ? On peut dire ça comme ça ? Donc il y a de sublimes photos dans ce livre. Et puis Daniel Leclin est venu avec des serpents qu'on connaît un peu mieux en France, qui sont des couleuvres. Ce sont des couleuvres nord-américaines. Celles-là sont nord-américaines. Donc on les connaît un petit peu moins bien en France. Un petit peu moins, surtout ici. Oui. Donc là, on va pas du tout parler de serpents français. Non. Non. Alors, non. Quelle est la particularité des serpents, monsieur Leclin ? Les particularités, la première, c'est de ne pas avoir de pattes. Ben oui, non, mais c'est bon, il y a des choses qui sont bonnes à savoir. Je dis, les vers de terre sont également sans pattes. Ce sont des reptiles, donc de la même famille que les lézards, les crocodiles et les tortues, avec une colonne vertébrale. Ça n'a pas de membres. Ça a une tête, une queue. Attendez. Ça, c'est une couleuvre nord-américaine. L'animal qui est constricteur. C'est gros comme couleuvre, hein, quand même. Hein. Mais c'est quoi la différence entre une couleuvre américaine et une couleuvre française ? C'est qu'elle parle pas la même langue. Ça, on les appelle des serpents. Constricteur, ça veut dire quoi ? Qui s'enroule autour de ses proies, soit pour les suffoquer. Ah, d'accord. Oh, non, là, je veux pas ça. Mais pourquoi ? Vous l'avez voulu, vous l'avez maintenant. Bon. La petite mémère vient. Oh, elle n'aime pas la caméra. La différence entre la couleuvre américaine et la couleuvre française, c'est qu'elle est mortelle, c'est ça ? Non. Comment ? Celle-ci n'est pas mortelle, non. On ne sait jamais. Est-ce que ça entend bien ? C'est sourd, complètement sourd. Comment ? Ah, c'est complètement sourd, donc on peut hurler à côté, etc. Ah bon, donc ça ne réagit pas à l'ouïe, ça réagit à l'œil. À la vibration du sol, ou à la vue, ou à l'odeur, ou à la température. Quand on corporelle. Dit qu'il faut taper du pied... C'est parce que ça fait des vibrations, ça pas du bruit, c'est ça ? Ça fait des vibrations, ça. Pourquoi est-ce que le serpent a l'habitude de faire toujours... Il va chercher les odeurs à l'extérieur avec sa langue. Et quand la langue rentre dans le palais, il y a deux narines internes où les odeurs sont analysées. Ah. Comme un cuisinier. Vous n'avez pas peur des serpents, ça, hein ? Non, parce que moi, j'ai tourné avec un python qui faisait 25 kilos.
Oula, celui-là est plus léger. Et dans un clip qui s'appelait une chanson qui s'appelait Les Serments. Et je sais que j'étais très surprise parce que c'est la première fois que je touchais un serpent. Il va vite, hein. Et en fait, si vous touchez, ça ressemble à, face à la matière, comme du velours un peu. C'est pas humide, c'est pas froid. Non, c'est vrai. On s'imagine. Non, on va le mettre par là, on va le mettre vers ça. On s'imagine ça gluant. Non, mais elle est pas dangereuse. Non, elle est pas dangereuse, elle ne peut que mordre. Mais quand ça mord, ça fait mal un peu quand même, non? C'est pas très douloureux. Non, mais on s'imagine ça dangereux, mais en fait, non. Mais pourquoi elle fait faire moi? Parce qu'elle vous aime. Je vais taper des doigts. Alors, la particularité de cette couleuvre, c'est qu'elle est dans la nature aux États-Unis. Elle vit au nord du Mexique. C'est une bête constrictrice qui se nourrit de rongeurs, de lézards et qui mange beaucoup d'autres serpents, y compris les serpents à sonnette. Ce qui est extraordinaire quand ça mange un rongeur, c'est que ça a une capacité d'ouverture de la bouche. Des articulations. Comment on appelle ça, la bouche ou la gueule? La bouche. La bouche. C'est ça comme vous voulez. Les mâchoires se désarticulent. Non, parce que le chien, on dit une gueule, on dit pas une bouche, par exemple. Non, c'est pas. Donc on dit ce qu'on veut. On dit mâchoire. On va dire mâchoire. Vous voulez. Voilà. Voilà. Je suis pas dingue. Pas dingue des serpents. Alors, on va voir quelques images, regardez. Parce qu'on parlait, on parlait de ça, monsieur. Des proies. Regardez, c'est très impressionnant. De magnifiques images qui nous ont été prêtées par XL Productions, notre camarade Frédéric Lepage. Vous avez un boa constrictor qui a tué sa proie, donc en s'enroulant autour. La constriction est tellement forte qu'en général, il y a une hémorragie cérébrale. Ah, c'est immédiat, la mort est immédiate. Hein. Souvent, oui. C'est vraiment une suffocation. L'animal a cherché la tête. Repérer la tête et commence à déglutir le rongeur par la tête. Et chaque demi-mâchoire se désarticule l'une après l'autre, à droite puis à gauche. Et c'est le serpent qui avance sur sa proie. Ah oui, donc la proie est là. Et le pratiquement pas mobile. Il met combien de temps à déglutir? Ça va jusqu'au bout, en fait, sur le corps? Ça peut aller entre 5 minutes et une demi-heure. Et ça va jusqu'au bout? Ça va jusqu'où? Ça s'arrête dans l'estomac qui est à peu près à mi-longueur. Ici, là? Oui, à peu près, oui. Ah, vache! Et ensuite, l'animal digère, ça peut prendre 8 jours, 15, 30 jours, ça dépend de la grosseur de la proie et de la température. Ça fait ses besoins par où? Par l'autre bout. Par l'autre bout, il y a vraiment... Ça, c'est fréquent. Hein, Par ici? J'avais jamais vu. Voilà, on doit voir le cloaque pratiquement. C'est ça. À ce niveau-là. Ce que vous appelez le cloaque, c'est le... C'est l'ouverture qui sert à la fois aux excréments, à l'urine et aux produits sexuels. D'accord, c'est pas ici, tout à fait au bout. C'est ça, oui. Ah, ça, c'est ce petit volet qui est ici. C'est ce petit truc-là. Voilà. Monsieur, voici le cloaque en gros plan. Je ne trouve plus. Si, voilà. Non, je ne sais pas, mais elle n'arrête pas de bouger. Alors, et constrictor. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ça s'enroule. Très bien. Donc ça n'a pas de... Ce n'est pas venimeux. Non, moi je veux dire, ça n'a pas de trou du cul, ça n'a rien à voir. Mais, donc, c'est un petit peu. Un trou du cul assez polyvalent. C'est ça, polyvalent. Multicasquette. Voilà. Alors on va peut-être la ranger, non? Vous voulez voir les autres? Moi, si ça va, elle est bien. On va voir peut-être un deuxième sujet, puisque... Comme on parle c'est l'heure du dîner, grosso modo. Il s'agit d'un python australien qui a tué un petit animal, un marsupial. Un marsupial, pour Patrice, c'est un oiseau, c'est pareil. Non, avec une grande poche. Donc là, on voit vraiment qu'il ouvre sa bouche. Là, on voit la désarticulation des mâchoires. Et donc, ça ne mâche pas du tout? Non. C'est quand on dit aux enfants « mâche avant d'avaler », eux, c'est le contraire. Les dents servent à retenir la proie dans le bon sens. Oui, ils ont des dents penchées vers l'intérieur. Vers l'arrière, voilà. Vers l'arrière. Lorsque l'animal est dérangé à ce niveau-là, très souvent, il régurgite sa proie pour s'alléger et se sauver plus vite. Ah d'accord, très bien. Et ça peut avaler, il y a des serpents qui avalent des proies qui font presque 50% de leur poids. C'est le seul animal au monde à manger de cette manière-là. Oui. Hein, vraiment, hein. Tous les autres animaux mangent 3, 4, 5 fois par an, souvent. Ah, ouais. On a d'ailleurs sur des photos qu'on peut voir un serpent qui mange un caïman, je crois. Oui, là on voit bien, c'est un caïman. Là, là c'est bien. Un oiseau. Non, c'est un caïman qui est plus petit. C'est un caïman rouge et qui vole. Voilà, qui vole. C'est même un oiseau. C'est vous dire si Patrice ne fume pas. Alors regardez, ça, c'est quoi? C'est un anaconda qui est un caïman qui va le déglutir. Ce qui est assez facile, vu que le caïman est profilé, il rentre facilement. C'est-à-dire que tout le caïman va rentrer dans la bouche du monstre. Avec les digérés, oui. Il n'y a que les griffes qui ne sont pas digérées pratiquement. Les os sont digérés. Mais il n'a pas le risque de se déchirer à l'intérieur et tout ça? Non, mais ça hiberne, un serpent? Question idiote. Non, bonne question. Est-ce que ça hiberne? Oui. Ceux qui vivent dans les régions tempérées hibernent, ceux des régions équatoriales. Alors chez nous, par exemple. Chez nous, il y a une hibernation qui peut durer 3, 4 ou 5 mois. Et comment ça se passe, ils se cachent sous terre? Ils se mettent souvent dans un terrier d'un rongeur, sous une souche. Et puis ils sont engourdis par la baisse de température, ils ne respirent presque plus, les mouvements du cœur se ralentissent et vivent au ralenti jusqu'à la belle saison. Bon. Voilà. Et si on le dérange pendant l'hibernation? Il n'est pratiquement pas capable de mouvements ou des mouvements très lents.
Parce que son rythme cardiaque est totalement descendu, la température... Tout le métabolisme est vraiment très très bas. Quoi. C'est presque mort, presque un coma. Quasiment, oui. Et alors, comment il fait pour se nourrir pendant ces mois-là? Il ne se nourrit pas. Ah, il passe 5-6 mois sans manger. Et le jour où il se réveille et qu'il sort de son truc... Il faut quelques jours pour se réchauffer, quand la température est remontée... Très bien, on va montrer très rapidement les autres serpents, monsieur, parce qu'on va être obligé de se... Oh, ben celui-là, c'est une balise de... je sais pas... Ça, c'est quoi, ça? C'est un autre serpent ouais, qui vit dans les montagnes d'Arizona. Whoop. Il est toujours pas venimeux. Celui-là est dangereux ou pas? Non. Pas avec non. Du tout. Pas pour vous. Ah bon, et pour qui? Pour qui? Oh, dis donc, il a réagi quand même. Oui, il est pas content. Oui, non, mais si... Non, là, je ne sais pas. On va le mettre par là. Hop, voilà. Celui-là et pour qui très... est-il dangereux, si vous dites? Pour qui c'est dangereux? Oui. Pour les insectes? Proies, pour ses proies, ah, pour oui, les autres serpents, pour les lézards. Par exemple, face à face, ces deux-là, est-ce qu'il y aurait un risque de combat? Là, ils ne sont pas à bonne température, mais le grand pourrait manger le petit sans aucun problème. Oui. Oh. C'est un très joli bracelet, monsieur. Pas trop ce genre d'exhibition habituellement, c'est vraiment pour vous faire plaisir. Ah, moi, ça ne me fait pas plaisir du tout, personnellement. C'est gentil, parce qu'on voulait vraiment que vous nous fassiez plaisir, oui. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un oiseau, Patrice. Oui, voilà. C'est toujours... S'il n'a pas de poche, c'est pas un marsupial. Comment ça s'appelle, ça? C'est aussi un serpent roi qui vit dans les montagnes Cochise, enfin dans... Il est vif, celui-là, dans les montagnes. Celui-là est très vif, celui-là. Il se remet... Et pas dangereux, donc si on voit quelque chose comme ça un jour, c'est pas dangereux. Ça ressemble à des serpents dangereux, non? Il y a des serpents qu'on appelle corail qui ressemblent à ça, qui sont venimeux, et d'autres qui imitent les serpents corail pour profiter du danger. Ça, c'est la taille maximale? Pour cette espèce, oui. Ouais, hein. Oui, oui, bien sûr. Encore quelque chose, ou bien? Le dernier pour la route. Oh, un gros... celui-là... On va peut-être pas non plus faire une collecte tout de suite, on va les mettre dans la boîte. Vous gérez mon stock, là-bas? Je gère le stock, pas de problème. Allez. Ah, oh, titi. Hop là. Ah, celui-là qui est vif comme l'éclair. Oh, il est très beau, celui-là. Non, non, non. Hop. Attendez, le gros, il est... Oh là là. Oh, il est pas content. Du serpent. Il est content non plus. Oh, il est pas content, celui-là. Celui-là, qu'est-ce qu'il dit? Ouh, Toto, je veux voir ton maître. Prenez-le par le... Oh, il s'entoure partout. Bonjour. Ah, c'est très spécial. Bon, non, maître, celui-là. Ça sert trop, hein. Comment? En tout cas, si vous voulez voir des magnifiques photos et puis avoir autre chose que des photos, il y a des récits, il y a vraiment la vie du serpent, comment ça fonctionne, un serpent, comment ça vit. C'est dans ce livre-là. Et c'est dans ce livre aussi. Les serpents, donc, paru aux encyclopédies et visuelles Bordas. Merci, monsieur, de votre présence. Merci beaucoup, Patrice. Merci à vous. Eh ben, on va parler de la saison des pluies. Eh ben oui, la saison des pluies, c'est bien. La saison des pluies, le voici. C'est votre actualité, Sarah Mondiano? Oui. C'est un single? C'est un album de 10 titres. Oui, mais... Pardon. L'album s'appelle Saison des Pluies, le single s'appelle Saison des Pluies. Voilà, c'est ça. je me trompais dans la main. Parlez-nous un peu de cet album, ce que vous avez eu envie d'y mettre, la façon dont vous travaillez, avec qui vous travaillez, comment vous travaillez. Je travaille très simplement, c'est-à-dire que je travaille avec quelqu'un maintenant, les compositions, c'est-à-dire que j'écris la musique avec quelqu'un d'autre, j'écris les textes toute seule. D'accord. Et puis on s'est fait un... Quoi d'abord? D'abord les textes, d'abord la musique? Ça dépend des titres. On peut très bien partir aussi d'une boucle de batterie, et ça peut être inspirant. Saison des pluies n'aurait jamais dû exister en fait. Au départ, c'est une commande pour un générique. Un copain dans une radio qui m'a demandé de faire son générique. J'avais jamais fait ça, donc je lui dis bon, d'accord, écoute, je vais essayer. Je lui dis que je t'envoie la cassette et tu me rappelles après pour me dire ce que t'en penses. Et il me dit oui, d'accord, je t'appelle, je pars en Afrique dans 3 jours, donc je t'appelle avant. Et puis pas de nouvelles, aucune nouvelle. Et puis moi, cette musique me plaisait, j'avais envie d'en faire quelque chose. Et donc je commence à faire une mélodie, texte, etc. Je travaille, etc. Je rentre en studio, j'enregistre la mélodie. Et en plein studio, j'ai un coup de téléphone de ce copain qui me dit génial, c'est super, ça fait 3 mois qu'on l'entend tous les matins, c'est super, ça passe bien, j'aime bien. Et en fait, le répondeur, il m'avait laissé un message sur mon répondeur qui n'a jamais marché. Donc en fait, ce message, je ne l'ai jamais eu, et donc cette chanson n'aurait pas dû du tout exister. Parce que la musique de cette chanson, en fait, était diffusée tous les matins sur une radio, sur une radio, que exactement. Vous n'aviez pas écoutée. Voilà, exactement. Ah, comme quoi vous écoutez, d'habitude. Comme quoi vous écoutez vos copains. Oui, énormément. Les sources d'inspiration, il y a des textes poétiques, il y a des textes parfois un peu engagés aussi.
Ah, bien. Non. Oui, oui, tout à fait. C'est, ouais, vrai. C'est vrai. Enfin, c'est surtout au second degré. C'est-à-dire que je n'essaie pas d'être une chanteuse engagée parce qu'il y a des gens qui le font bien mieux que moi et de façon plus, plus directe. Disons, moi, j'aime bien dire des choses comme ça, mais pas imposer des choses. Si les gens ont envie de le lire, ils le lisent. S'ils n'ont pas envie de le lire, ils ne le lisent pas. Et ça peut être pris aussi dans un. Au premier ou au deuxième degré. Exactement. Je fais de mon mieux. J'essaie de passer des choses. Si, ça, si on vous tient dit à qu'il y a cœur. Des chansons poétiques, qu'est-ce que vous en dites, ce que vous dites? Je trouve que c'est un très grand compliment parce que poétique, ça veut dire poésie, oui. Et ça veut dire quand même. Donc je sais pas. Moi, j'irai peut-être pas jusque-là. J'aime le mot. J'aime ce qui peut véhiculer dans certaines choses. Ça peut être juste un mot et qui peut être très très fort. Et donc ça peut être poétique. Oui, j'adore le mot. Alors Sarah Mondiano, cet album remporte un vif succès. Est-ce que vous avez des scènes en vue? Le prochain album sort quand? Parce que celui-là vient de sortir. Celui-là à l'instant? Il y a quelques jours. Oui. C'est le précédent qui est sorti. Ah voilà, oui. Il y a 2 ans. Le précédent a fait 2 ans. Le précédent, c'était déjà des doutes. Voilà, exactement. Mm-hmm. Et en fait, celui-là vient de sortir. Et voilà, donc, bon, c'est tout nouveau, c'est tout. Tout chaud. C'est encore tout beau. Donc, je vais quand même parler de la scène. Oui, alors donc la scène, bonne question. En fait, la scène, c'est toujours un problème pour nous parce que la scène, comme tout le monde le sait, c'est un investissement énorme. Donc, pour ça, il faut que l'album plaise aux gens. Et ensuite, on essaye de monter une équipe et de tourner. Mais évidemment, c'est le but de tous les chanteurs, ça, certainement. Voilà. En tout cas, c'est le mien. Très bien. Cet album s'appelle Saison des pluies et le single extrait de cet album s'appelle Saison des pluies. Pourquoi est-ce qu'on est obligé, dès que l'album sort, de sortir aussi un single qui va avec? Pourquoi est-ce que vous attendez pas un petit peu? Là, on a attendu quand même genre un mois. Ouais. Mais disons que. Non, je pose une bonne question. Oui. Non, mais disons que c'est vrai qu'on sort un single, c'est un petit peu un objet promotionnel, je dirais, plus parce que le public, je crois, a plus envie d'acheter un album. Enfin, en tout cas, en tant que public, moi, j'achète un album plus qu'un 45. Ouais. Ça s'appelle Saison des pluies, même, messieurs. Sarah Mondiano, Patrice. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu ce week-end? Si vous m'invitez, je ne sais pas, je vais peut-être décommander tout ce que j'ai prévu. On peut aller au Bourget, si vous voulez. On va peut-être vous laisser tous les deux. Non, ça vous intéresse. On peut aller au Bourget parce qu'il y a la finale du Trophée Andros sur glace. Ah oui, il paraît que ça va être un super truc. Ça. Mais je vous le raconte, c'est samedi 4 et dimanche 5 mars, c'est au Bourget. Les prix des places, 100 francs, 150 francs, 200 francs pour les deux jours. Et c'est ouvert, parce que je sais pas, j'ai entendu des rumeurs comme quoi c'était complet, qu'on pouvait pas y aller, etc. Non, c'est ouvert. Il y a encore des milliers de places, je crois, même de disponibles. Samedi matin, 9h15 à 20h, c'est ça que vous avez dit? C'est ça. Et dimanche, de 9h à 18h, avec toutes les finales dans la journée. C'est parfait. Et là, ils ont un truc tout à fait épatant. Comment c'est fait la piste sur glace, Patrice? Je comprends pas. Eh bien, écoutez, il faudrait demander au professeur Ivar, qui est le spécialiste, vous savez, de l'azote liquide. De l'azote, parce que c'est un nouveau procédé, je crois qu'ils utilisent. Il refroidit extrêmement et c'est très spectaculaire. Pas nous montrer 2-3 images. Si vous voulez. Bon, on va regarder quelques images. Alors voilà, ça, c'est un circuit. Ou pour que la glace soit plus dure et plus durable, les fumées qu'on voit viennent de camions, c'est des images assez surréalistes, et ce camion distribue de l'azote liquide sur la glace qui est un peu molle parce qu'il faisait chaud, je crois, ce qu'on m'a dit. Et cet azote liquide qui est à moins 196 ou 197 degrés, oui, à peu près, évidemment gèle immédiatement tout ce qui est en dessous, donc s'il suffit de mettre un... Donc c'est pour ça qu'au Bourget, Patrice, j'imagine. Il n'y a pas de glace tous les jours, quoi. Surtout en ce moment, non. Donc c'est pour ça qu'il y aura de la glace ce week-end. Merci beaucoup. Merci Patrice de cette information. Il y aura de l'azote. Voilà, donc le Trophée Andros, la finale, avec nous des pilotes, évidemment, de renommée, type, Marc Duez, François Chatriot, Paul Belmondo, Danny Stomek, etc., qui seront là. Vous imaginez bien. Donc un super week-end. Et d'autres? Merci Patrice de cette information. Patrice? Vous n'y êtes pas, vous, non? Comment? Vous n'y êtes pas, vous? On s'en fout, de toute façon. Bon. Oui, voilà. On ira faire un tour, hein, de toute façon. Ou 3 tours, ça dépend. Alors. Mesdames, messieurs, Zorro est très important. Est-ce que vous avez regardé Zorro quand vous étiez. Certainement. Zorro, un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. Le voilà, Zorro. Le voilà, mesdames, messieurs, Zorro. L'histoire de Zorro, tout de suite. Bonsoir. Bonjour Zorro. Bonsoir. Et en l'occurrence, ce sera vous. Comment? Bernardo. Oh, je veux bien. Alors, vous serez Bernardo. Je vous raconte un petit peu l'histoire de... Bonsoir Sarah, bonsoir Patrice. Bonsoir. Alors, l'histoire de Zorro. Zorro est né en 1919. Ah ouais? Oui, c'est un écrivain, Johnson Macaulay, qui a inventé. C'est un petit peu l'ancêtre du comte de Monte Cristo. Il avance, il recule. Comment veut-il que... Pardon, on va le mettre par là. Donc, j'ai mon fidèle cheval. Monsieur Grus. Monsieur Grus. Bonsoir Monsieur Grus. Bonsoir. Voilà. Lucien Grus. Lucien Grus. Qui a dressé magnifiquement ce cheval.
Tornado. Tornado, c'est Tornado. Lui, c'est Tornado, bien Tornado, sûr. Le, oh là là, regarde. Il est tu content, salut. Tornado. Tu peux avancer un petit peu. Comme ça, on va avancer comme ça. Bouge pas, mon titi. Et donc, Zorro a donc été créé par Johnson Maculay, et c'est le défenseur de l'opprimé, c'est le défenseur des pauvres, et donc voilà. Et donc, comme je vous le disais, c'est un peu l'ancêtre du comte de Monte Cristo. Alors, vous savez que Zorro a été... Ça vous va très bien, oui. Zorro, moi, je trouve. Le chapeau, c'est, ou... bah, à s'y méprendre. Le tout. Oui. À s'y méprendre. Un détail en moins, je sais pas quoi, mais à s'y méprendre. Hein, je sais pas, ça veut dire des bottes, peut-être. Ça veut dire des bottes ou un truc comme ça, ouais. Donc Zorro, c'est vraiment je veux dire, le personnage préféré des enfants, encore à l'heure actuelle. Vous savez qu'il y a eu bon nombre de Zorro qui ont été portés à l'écran. Douglas Fairbanks pardon, a été l'un des premiers à le jouer. Ça s'appelait sous le signe de Zorro. Alors, comment s'appelait celui qui faisait Zorro dans la série Guy Williams. Ah, Guy Williams. Voilà, et en 1957. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des Zorro, les Zorro que vous avez vus dans la série ont été colorisés. En 57, je vous remercie. Oui. Non, mais on a tous vu la série. Oui. Alors, rediffusion. Voilà, rediffusion. Voilà. C'est colorisé. Vous restez là-haut ou bien ? Non, je reste pas là-haut parce que, en fait, à l'heure actuelle, on manque un petit peu de Zorro en 1994. Il n'y a plus beaucoup de. Il est passé à l'aise sur un cheval, hein, Zorro. Oui, regardez. Attention au pied, hein. Hop. Il faut dire, donc, voilà. En 1994, il n'y a plus beaucoup de. Si on prend un petit coup de pied, ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Oui. Ça bouge. Donc je disais qu'en 94, il n'y a plus beaucoup de Zorro, il n'y a plus beaucoup de bon héros. Putain, c'est un bon pépère, ça. C'est un pépère qui fait parler. Solide le cheval, hein, parce que tu lui fais ça comme ça, il sent pas. Rien, derrière. C'est un pépère, je dis ça très vite, qui fait partie du ballet équestre du haras des Brévières. Ah. Donc avec Lucien Grus, donc voilà. Qui est un cheval de. Moi ce que je vous disais, ce que je vous disais, c'est qu'en 94 il y a plus de héros, il y a plus, faites attention, il n'y a plus vraiment de Zorro. Donc moi je vous propose de passer un petit concours pour savoir si vous êtes si capable. On pourrait être Zorro. Tout à fait. Ah oui, Patrice, allez. Ça va. Allez, descendez. Alors. Je descends. Descendez. Et merci Lucien Grus. Merci mille fois Lucien Grus et bravo à tous au pied. Bravo pour le cheval. Voilà. Ouais, je attention, il va péter. Attention. Alors, c'est ici que je vous explique. Alors. Oui, on dit. Vous avez. Sarah d'abord. Hein. Sarah d'abord. Ça peut être bien sportivement que vous lui montriez un petit sportivement. Patrice. Patrice va montrer. Patrice. Alors. D'accord. Donc, vous avez une petite cabine. Vous attendez, votre veste, hein, Patrice. Je vous explique. Vous croyez oh, oui. Regardez ça, mesdames, messieurs. Attendez, Patrice. Non, attendez, je vous explique. Donc, vous allez rentrer dans la cabine. À l'intérieur, vous allez trouver. Merci. Vous allez trouver un habit de Zorro, mais ne commencez pas maintenant. Ensuite, en sortant, vous avez un petit cheval de bois. Je commence pas. Voilà, vous trouvez un petit... Regardez, non, vous commence pas maintenant. Vous trouvez un petit cheval de bois. Vous faites le parcours suivant, c'est-à-dire que vous allez jusqu'à derrière, vous sautez sur... Écoutez bien, vous sautez sur la corde. Je saute sur la corde. Vous sautez sur la corde, vous tombez sur le rocher. Oui. Et là, vous devez enlever, grâce à votre épée, parce que vous avez une épée à l'intérieur, vous devez enlever les bretelles de Zorro. Attendez, Christophe, c'est pas parti. Vous enlevez les bretelles de, Christ, de Christophe, du sergent Garcia. Et ensuite, vous venez sur ce. Ici, et vous faites le signe de Zorro. Et comment on enlève les bretelles de Garcia? Ah bah avec l'épée. Il a maigri, Garcia. Allez. Alors, Patrice, top, c'est parti. Attention, top, prends le. Allez Patrice, dépêchons-nous. Allez Patrice. Allez Patrice. Allez, vas-y Patrice. Allez, il a perdu son micro. L'épée. Et puis, là c'est votre micro Patrice qui est là, qui est tout cassé par terre là-bas. C'est l'épée. Ça fait rien. Patrice! L'épée! Patrice, l'épée! Mais non, pas. Non! Prenez-moi tout ça! Prenez tout ça! Oh là là! Dessus! Top chrono! Top! Pas mieux faire! Elle n'a plus de papier là? J'ai un conseil pour les suivants, il faut mettre le truc avant le chapeau. Bien. Ok, et Sarah, prête. J'y vais. Sarah, à donf, hein. À donf, Sarah. Attention. Et il y a tout le matos, Patrice, il y a tout le matos. L'épée. C'est bon. Le fourreau. Ah, il y en a un. Ah, il y en a un chacun.
C'est très pointu en plus. C'est parti, top chrono, mesdames, messieurs, évidemment. Pour ça, bien. La cape. La cape. Et l'épée. Oh là là, oh là là. Non. La cape, elle est là-bas, la vôtre, Patrice. Vite, vite, Sarah, allons-y, allons-y. Non, 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 il faut démarrer de là-haut. Dépêchons-nous. Allez, là-haut, dépêchons-nous. Vous prenez ça, et avec ça, vous allez là-dessus. Et vous allez sur le rocher. Attention, attention, donnez-moi l'épée, je vous la donne après. Allez-y. Allez. Prenez le plus haut possible. L'épée, l'épée, l'épée. Oh là là. Montez sur, là là. Montez sur, non. Vous montez sur le rocher, il y a le sergent Garcia. Ah bien. Ouais. Ah. Bravo, 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 bravo. C'est ça. On n'a pas les chronos. Mais si, si, tout à l'heure. C'est l'image. Quel matos ? Quel matos ? Y'a le matos. Si, il y avait une cape, hein. Elle est bien. Ouais, j'y vais, j'y vais. Oh là là, putain. Oh, le boxeur, le boxeur. J'ai pas la corde. Oh, oh, oh. Oh, je retourne. Ah, connerie. On a le résultat. Ah, j'ai déchiré ma cape. Bravo. Je crois qu'on a le résultat. Le résultat du chrono. Le chrono. On avait le chrono à l'image. Non, bon. Le chrono. Ah. 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 C'est Patrice qui a gagné, disons. Ah, c'est Sarah, c'est Sarah. Non, Sarah. Sarah qui a gagné. La publicité, mesdames, messieurs, immédiatement. Excusez-moi, je vous remets les diplômes. Ah oui. Le diplôme. Diplôme pour Sarah. Voilà. Et Patrice. On lance, on lance la publicité. Vous aurez moins Bernardo, s'il vous plaît. C'est ici. Alors, maintenant, la pub. Tout de suite, la pub. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au fond de la maison de la radio pour cette ultime partie de Coucou, c'est nous de ce soir avec Sarah Mandiano. On va attaquer très vite les premières réponses. J'ai posé une devinette en début d'émission. Pas du tout. C'est pas immédiatement les objets, Patrice. Oui. Je voulais juste dire pour le cheval qu'on a vu tout à l'heure qu'il y aura du 25 au 27 mars à l'hippodrome d'Anguin un salon francilien et c'est les haras des brévières qui s'occuperont de ce salon. Ah voilà. Oui, donc ça va être top. Donc ça va être top. Alors, qu'est-ce que j'ai très. Excusez-moi. Ça, c'est bien. Non, c'est, je vous l'offre, c'est le coffret d'Aricula. Oh. Il y a la cassette, il y a le compact disque, il y a le tournage du film, le livret du film. C'est très très en bien. En français ou en anglais ? En français. Ça, en français. J'ai toujours eu peur de Dracula, moi. C'est vrai? Ah oui, je dors la nuit, je dors avec le drap ici, j'ai toujours eu peur de Dracula. Merci, Patrice. Je vais donner mon numéro de téléphone avec, si après ça vous avez un problème, vous appelez. Alors, okay. Ou Patrice plutôt, non, plus Patrice, hein, vous donnerez votre numéro. Merci oui. beaucoup. Regardez, voilà votre disque. Ça ressemble un peu à Dracula, non ? Un malheur extrême. Oh là là là. Ah non, là. Ah non. Si, tant pis, vous allez voir. On met. Du sirop. Quelque chose dessus. Non, ça, non, c'est non, pas ça, il fallait là-dessus. Pas le mettre là. Alors, j'ai. Mais. Heureusement, j'ai ça. Oui, regardez. Calmez-vous, Patrice, calmez-vous, s'il vous plaît. Attendez, on a un problème avec son disque laser, voilà, on a renversé quelque chose dessus. On a sali son disque laser. Oui, enlevé, il y en a beaucoup, là, en le visant un peu, ça sert à rien. Oui, mais ça, c'est dans le. Bah, oui. C'est encore pire. Ah oui, c'est encore pire. Oui, oui. Alors, on le met là-dedans, on fait petit, petit. On appuie. Pouf, pouf. Pouf, comme ça. Et c'est quoi ? Et ça nettoie. Et ça nettoie. Non, ça étale. C'est un autocleaner de. Non, ça nettoie terriblement bien. C'est vrai ? Oui. Donc le truc va plus être collant. Le nettoyant de CD. C'est au salon son image, pas les décorés, 4-7 mars, nocturne le 4 mars jusqu'à 21h. Est-ce qu'on peut l'écouter maintenant ? Pour voir. Regardez. Ça nettoie. Il continue à tourner, Titi. Il n'est pas encore tout propre. Ah si, c'est bien, regarde. Ça, ça nettoie super. Non, ça il va colle être mieux pas maintenant. Du tout. Non, mais c'est parce qu'on l'a pas fait jusqu'au bout. En principe, ça nettoie très bien. Le CD dure en 20 secondes, le cycle nettoyant s'arrête au bout de ces 20 secondes. Voilà, ça fait 6 minutes. C'est où le salon ?
C'est au salon. Aïe, c'est jusqu'au 4 mars, ça je vous le dirai tout à l'heure. Parce que j'ai autre chose en attendant. Et pour le débrancher, il faut enlever les piles, hein, c'est clair. Voilà. Voilà. Là, il s'arrête. Et là, ça nettoie formidablement bien. Pardon, ça coûte environ 250 francs. C'est au Palais des Congrès, ce salon. C'est vrai, ouais, ben oui, bien sûr. Alors, c'est très efficace en plus comme truc là. Oui, c'est bien. Ouais. Alors, ça, c'est formidable. Vous avez des chips chez vous? Non. Vous savez, non, des choses comme ça là. J'adore les chips. J'ai pas de chips. Oui. Il faut le soulever. Alors, vous avez des choses comme ça, on ne sait jamais comment les enlever. Et malheureusement, vous avez non seulement des petits trucs comme ça, mais des choses lourdes dedans. Mais non, mais par terre, pas là. De là-dedans. Mais non, dans le salon. Regardez. Mais non, dans le salon. Ah, si vous voulez, oui. Dans le salon, il y a des trucs. Bon. Alors, il y a des trucs, voilà. Et vous ne voulez ramasser que le polystyrène. Ah oui, pas les choses lourdes. Vous branchez, voilà. Vous branchez ça. Et ça n'aspire. Vous voyez? J'avais mis des bijoux là. Hein. Et bah oui, mais les bijoux ils passent pas. Regardez. Ça veut pas. Ça ne prend que. Voilà. Bien, bougez. Bougez pas, ne bougez pas. Mais moi ça fait rien. Rien du tout. En revanche, regardez. En revanche, regardez. Les lunettes? Non. Non. Non, non. Il n'y a que. Ça ne prend que le polystyrène. Ah ouais. C'est bien, non? Ça vous plaît pas? Ah oui, c'est bien. Et ça sert à qui? Aux entreprises. Vous l'arrêtez? J'avais presque tout fini. Ah oui. Et ça coûte 6950 francs. Ouais, mais c'est pour des... Il faut avoir une grosse poubelle. C'est pour les professionnels, hein. Ah, on n'avait pas compris. Ah oui, c'est mieux. Enfin, si vous aimez ça chez vous, vous pouvez aussi, mais... Non, cela dit, ça nettoie. Effectivement, les petites choses lourdes sont restées, donc ça ne risque pas d'emmener un bijou. Les choses auxquelles on tient plus. Alors, puisque je vous ai parlé tout à l'heure du salon son et image, je vous signale que vous faites le 36-68-50-50 et que vous pouvez gagner, sur le 36-68-50-50, qu'est-ce que vous pouvez gagner? Je sais pas. Vous pouvez gagner une chaîne IFI Harman, très design, une technologie haute définition... Ainsi qu'une machine karaoké complète, on a vu le salon, là, plus des invitations pour vous rendre à ce salon. Et pour gagner ce lot, vous faites de 36, 68, 50, 50. C'est jusqu'au 4 mars au Palais des Congrès. Non, mais et le 36, 68, 50, 50, vous pouvez le faire maintenant, ce soir. Dès maintenant, tout de suite. Dès la fin. Dès la fin, oui. Merci beaucoup, Patrice. Merci, tout. C'est tout, pour l'instant. C'est parce tout que, oui, parce qu'il faut y a la réponse maintenant. Alors, je vous ai proposé en début d'émission cette énigme-ci, que vous avez bien sûr, Patrice, forcément par-devers vous, forcément. Voilà, non seulement ma première est une petite cochonne, mais elle est sauvage. Ma deuxième est toujours une belle fille. Quand il est doublé, mon troisième fait la fête. À mon quatrième de mots, la traduction de Jean-Paul II où vous donne mon cinquième. Mon sixième est souvent jeté, mon septième ou plonte. Première proposition, bonsoir, votre... En avez-vous une, Sarah? Ben, ça m'a l'air un peu compliqué. Première proposition, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Oui, c'est Sylvie. Bonsoir Sylvie, d'où nous appelez-vous? De Rosé, près de Nantes. Ah, on a deux qui sont ici aussi de Rosé, là. Sylvie, nous vous écoutons, quel âge avez-vous? J'ai 30 ans bientôt. Maman, pas maman? Ah, maman de deux beaux enfants. Deux beaux enfants, très bien. Quel âge ont-ils? Dans 7 ans et 3 ans et demi. Très bien, alors posez votre question. Enfin non, dites-nous votre réponse. Alors la réponse, les brunes comptent pas pour des prunes. Non seulement ma première est une petite cochonne, mais elle est sauvage. C'est une laie. Mon deuxième est toujours une belle fille. Une brune. Quand il est doublé, mon troisième fait la fête. Un neuneu. Dites donc. À moi mon quatrième, deux mots. Comte. Ouais, la traduction de Jean-Paul II, où vous donne mon cinquième. Le pape. Ah non, le papou. Papou, oui. Ah ouais, ouais. Votre mari est là, non? Eh oui, il est là. Ah ouais, d'accord. Alors là, mon sixième est souvent jeté. Les dés. Et mon septième, ou plonte. La plonte. Prune. Ou prune ou plante. Voilà. On va voir une confirmation immédiatement avec Charlie et Lulu, mesdames, messieurs. Un accueil chaleureux. Tout le monde répète encore que les hommes préfèrent les blondes. Qu'il faut pour une décolorée en moins d'une seconde. J'ai l'impression qu'il confond. Et la Joconde à moins qu'on la tonde. C'est quand même bien une brune. Les brunes comptent pas pour les brunes. Brunes.
les brunes font pas pour des prunes. On a du caractère et dans nos artères, c'est du sang chaud qui coule, on la joue pas cool. Attention aux brunes, les brunes font pas pour des prunes. Attention aux brunes, les brunes font pas pour des prunes. Attention aux brunes. Salut, mesdames, messieurs. Attends. Je voulais refaire juste la fin. La fin, les filles. Ouais, enfin, normal. On va la refaire. Sarah qui est brune, c'était un peu pour vous. Oui, ça vous peut y aller. Juste la fin. Répète encore que les hommes préfèrent les blonds. Il faut pour décolorer en moins d'une seconde. Mais non, il est bon. J'ai l'impression qu'ils confondent. Et la chose qu'on a moins qu'on la tombe, c'est quand même qu'un les brutes. Les brutes comptent pas pour des brutes. La main. Attention aux brunes, les brunes comptent pas pour les brunes. Attention aux brunes, attention pour les brunes. C'est du sang chaud qui coule, on la joue pas cool. Attention aux brunes, les brunes comptent pas pour les brunes. Attention aux brunes. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, merci pour eux. Merci Charlie. Ah oui, ouais, c'est ça, ouais, bizarre. Merci les garçons, ça va, nous allons nous installer immédiatement pour la fin de cette émission, Patrice. Et oui, on va dire, mais c'est pas ce qu'elle a gagné là-bas. Qu'est-ce qu'elle a gagné? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Ah oui, vous êtes toujours là, Catherine? Sylvie, vous êtes toujours là? Oui. Sylvie, vous avez gagné quelque chose, Sylvie, figurez-vous, car vous aviez raison. Et vous avez gagné à l'occasion de du Salon de la Croisière, qui se tient jusqu'au 5 mars au musée de la... Au musée de la marine, c'est bien ça, hein? Oui. Musée de la marine. Au musée de la marine, jusqu'au 5 mars. Donc vous avez gagné, vous avez gagné une croisière de 6 jours avec la personne de votre choix. À bord, Patrice, du prestigieux transatlantique The Queen Elizabeth. C'est celui-là. Destination les capitales baltiques et les fjords de Norvège. C'est vous dire si vous allez passer un bon moment. Merci pour elle. Super, merci. Vous avez donc un mari qui est près de vous, c'est cela? Tout à fait, oui. Donc il entend qu'il a gagné une croisière avec vous et qu'il peut partir sur les fjords. Oui, il est heureux, il est content. Ouais. J'imagine. Et en plus, si vous vous rendez au Salon Croisimer, vous pourrez visiter gratuitement, le musée de la Marine Nationale. Oui, ça, ça vaut le coup. Ah oui, ah oui. Vous êtes déjà allé dans les fjords, Sarah? Non, mais ce serait avec joie, en tout cas. Bah, c'est dommage qu'elle n'ait pas une place de libre, bah, oui. Avec son mari, mais pour la prochaine fois. On vous embrasse en tout cas, Sylvie. Bravo. Oui, bah, merci beaucoup, merci, je reviens pas. Ah bah écoutez, soyez gentils en tout cas, quand vous y serez, vous nous envoyez une petite carte postale du bateau, n'est-ce pas? Sans problème. Ok, on vous embrasse, soyez sages, bye bye, au revoir. Merci. Et caresse aux enfants. Alors, on devait faire de la gym rythmique et sportive. Ouais. On va pas avoir le temps parce qu'il reste juste même une minute ou même moins. Oh, c'est dommage. Je signale quand même que le 8e tournoi international de gymnastique rythmique et sportive aura lieu à Thiers les 4, 5, 6 mars 94 à la Halle des Sports, 80 avenue de Versailles à Thiers. On pourrait finir quand même avec cette jeune fille qui est ici, qui va commencer tout de suite, mesdames, messieurs. Mariam Kaba Gabanol. Et en vous rappelant bien évidemment que Saison de pluie est le titre de l'album et du single de Sarah Mandiano. Pendant que nous voyons cette ravissante jeune fille. Aller qui, avec elle, on peut aller, on va y aller immédiatement de toute façon, hein, bien sûr. Allez voir Myriam. On va souhaiter une bonne soirée puis vous dire à demain. Déjà. Myriam va peut-être nous montrer comment on fait. Ah, le truc du ballon, moi, ça, c'est fastoche, hein, le truc du ballon. Très fastoche. Ah, le truc du ruban. Mais elle reviendra, la jeune fille, en tout cas. Oui, elle reviendra. Tenez, Patrice. Pardon. Allez-y. Et on vous souhaite une bonne soirée, Sarah. Venez près de moi, s'il vous plaît. Passez une bonne soirée. Soyez présents, évidemment. À demain soir. Passez une bonne nuit. Sortez couverts. Et dormez bien. Merci, Sarah. À très bientôt. Bye bye, au revoir.